Eh bien, salut à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, c'est le grand jour sur Adopt Me. C'est la chasse aux œufs et précisément, il y a un nouveau pet sur Adopt Me et c'est un mouton, mais comme vous le savez bien les amis, je n'ai plus de Robux, je n'ai plus le droit d'acheter des Robux. Donc je suis clairement dégoûté, je ne peux pas me l'acheter pour moi. Mais heureusement que j'ai mon petit lapin que j'ai mis mon petit lapin où j'ai mis des petits accessoires pour lui. Voilà. Il est tellement mignon comme ça avec son petit sac. J'aime trop trop trop. J'aime trop, voilà. Et du coup, la chasse aux œufs sert à. La chasse aux œufs sert à avoir, ben voilà, des œufs comme vous voyez au-dessus là. J'ai 530 œufs. Et donc, grâce à ça, les amis, vous allez pouvoir acheter des accessoires, non pas avec l'argent du jeu, mais avec les œufs. Et grâce aux œufs, vous allez pouvoir customiser vos pets, voilà, comme le mien. Regardez le mien, il est super super trop beau. Du coup, vous pouvez customiser vos animaux comme ça. Donc voilà. Oh regardez, lui il a le mouton, il a trop de chance. J'aimerais trop avoir son petit mouton. Il est magnifique, il a trop de chance. J'ai grave dégoûté les amis, j'ai même pas de mouton pour moi. J'aimerais trop avoir le mouton, même si j'ai pas tous les pets, mais j'aimerais trop avoir le mouton quand même. Donc voilà. Et au fait les amis, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir tous les œufs même sur les toits, parce que oui, sur les toits il y a même des œufs, et bah sachez-le les amis, vous pouvez avoir ce genre d'œufs grâce à un pet qui est Flyde, seulement Flyde aussi, bah oui. Et donc le principe, vous pouvez aller sur les toits comme ici il y a un œuf normalement, voilà. Je connais la map par cœur maintenant. Ça fait qu'une journée, mais je connais par cœur. Ici, il n'y en a pas. Mais l'autre, il y en a un. En plus, c'est bien caché parce que c'est déjà blanc. Voilà. Et si vous n'avez pas de pet à Flight, vous prenez dans votre inventaire, dans les jouets, vous prenez ça, ou n'importe. Et vous pouvez, voilà, voler avec pour chercher des œufs, voilà. Vous pouvez faire la même chose avec celui-ci, voilà. On va faire un petit essai. Je vais vous faire voir comment on fait pour chercher les œufs, même en hauteur. Par exemple, celui-ci que vous voyez au-dessus du pont, on va essayer de l'attraper. Ah, oups. De l'attraper avec ça et voilà et voilà les amis, j'ai réussi à l'attraper et là on va chercher celui-ci. Alors les amis, je n'arrive jamais à aller jusqu'à 0 œuf. Il me reste toujours 3 à chercher que je ne trouve pas sur la map et je trouve ça quand même bizarre. Mais les œufs sont pas du tout difficiles à chercher, les amis. Vous avez même un œuf au camping, mais un seul œuf. Il n'y en a pas plusieurs. Mais ils sont pas trop durs à trouver pour un pack. Moi, je trouve qu'ils sont pas durs à trouver, mais c'est bien. Vous avez vu en bas, les amis, c'est marqué 18. Ça veut dire qu'il me reste encore 18 œufs à trouver. Mais quand on arrive à 0, je me demande bien qu'est-ce qui va se passer. Parce que quand on est par exemple la nuit et il commence à faire jour, et bah ça disparaît et on retourne à 0. Il faut donc rechercher à nouveau les 30 œufs.
Donc voilà les amis. Et aussi les amis, est-ce que... Attendez, parce que... Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une licorne néon à me trad? Parce que je serais prêt à vous trad des animaux à moi pour voilà votre licorne néon. Car j'ai fait une grosse bêtise, les amis. J'ai trad cet animal-là avec celui-ci qui était dans un œuf en or. Et donc je n'ai plus ma licorne. Alors s'il vous plaît, les amis, est-ce que vous avez une licorne néon? Je ne demande pas plus, juste une licorne. Parce que ma licorne, elle me manque trop. Elle symbolise ma chaîne, donc j'aimerais trop avoir à nouveau une licorne. S'il vous plaît, ce serait trop gentil de votre part. Et si vous voulez, je vous trade une voiture dans mon inventaire. Voilà. Bon bah c'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, la like, enfin. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas de liker cette vidéo, la partager à vos amis si vous le souhaitez, bien sûr. Et donc, nous voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah, au fait, les amis, vous pouvez me demander en ami sur Davy-YB2. De toute façon, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous invite à regarder. Donc c'était tout, c'était Davy, on se dit à une prochaine vidéo, bye!